Oh,
I'm
Si vous avez un boulot, il faut que vous parlez. Amen, amen. Comme ça, on a un côté négatif.
Oh, ma prière, c'est même pour moi la prière, c'est ma lame. Tu veux qu'on continue, on va mettre à 3 mois de la prière. Faut prier et changer ma campagne belle. Prière, vous changez ma vie avant que belle. Mais ça vous souhaite comme une langue, il y a pas la prière. Ça va la plus mon père, amen, amen. Mais c'est la prière qui m'a fait comme ça. Oh, comme Jésus, amen, amen. Et tu as raison de pas d'ailleurs. Amen, amen. Cet homme, il partage tout avec les hommes, les gens. Amen, amen. Il était bien, très, très bien. Lorsqu'il a prié, l'ange est venu pour lui dire que l'Éternel, il a exaucé, il a écouté ta prière. Amen, amen. Amen. Est-ce que toi, tu crains Dieu? Demande à celui qui est à côté s'il craint Dieu. Tout n'aille bien, ce n'est pas comme ça. Ah, on prie les élections, c'est que tu crains Dieu. Tout n'aille bien, on va le faire, on va le ça va être le problème, il y a mon gamin qui est très bien. Tout n'aille bien, alléluia. Est-ce que tu crains Dieu? Attention, on va appeler autour de moi, on va ensemble. On nous promet là, ouais. Je salue, amen, amen. Si tu n'as pas la parce que nous avons un mois de prière, amen, amen. Moi, les amis, moi, la prière. Vous ne pouvez pas prendre beaucoup de temps, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier et demander la crainte de Dieu dans notre vie, dans nos maisons, de manière. Nous allons nous mettre debout. Pasa, 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 p
Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous prendrons un texte qui est un peu long. Je pense que le frère Fiki n'est pas encore terminé puisqu'il vient directement du boulot. Cela va nous aider à mettre les textes ici afin que nous les suivons facilement. Gloire à Dieu. Donc nous allons suivre les textes des juges. Juges chapitre 13. Versets 5 à 24. Je reprends encore le livre des juges. Nous allons prendre le livre des juges, chapitre 13,
Versets 5 à 24. Donc, 5 à 24. C'est le livre des juges. En lingala basambi ici. Chapitre 13, versets 5 à 24. Je pense que nous tous nous avons trouvé. Alléluia. Nous avons tous trouvé. Le livre des juges, chapitre 13, versets 5 à 24. Amen. Gloire à Dieu. Et celui qui est à la page peut nous aider. Voilà. Ok, merci. Gloire à Dieu. Nous allons organiser ça maintenant. Après, nous allons quand même essayer un peu d'organiser qui va, c'est comme, excusez-moi que je puisse expliquer. Mets-toi un peu, ma soeur, tu vas lire après. Hein, qu'on essaie un peu de mettre de l'ordre, qu'on essaie un peu d'organiser ça. Comme à l'église catholique, on les appelle les lecteurs. Donc, ceux qui ont envie de le faire, il faut maintenant s'annoncer. Comme nous faisons le programme des modérateurs, des prédicateurs, nous aurons maintenant aussi le programme des lecteurs. Si vous trouvez pas que c'est mieux au lieu que 3-4 personnes se mettent debout, donc on met par exemple la semaine qui vient, la lecture. Elle sait se préparer aussi en fonction de ça. Et la semaine qui vient, c'est la semaine qui vient. Donc tout le monde, celui qui a envie de le faire. Et nous allons maintenant établir un programme. Et puis programme pour que le pona yango. Amen. Gloire à Dieu. Là maintenant, nous allons plus de l'ordre. Puisque 13, versets 5 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré. Alors, commencez même au 4e verset pour que nous comprenions très bien qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Deuxième verset. Il y avait un homme de Théorera, de la famille de Danitz, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. » Soulignez-la, l'ange de l'Éternel apparut à la femme. Mais cette femme était mariée. L'ange de l'Éternel n'a pas apparu au mari, mais l'ange a apparu à la femme. Ange lui encore abimela qui marité, mais abimela qui moisi. Mobalité. Abimela qui mobalité, abimela qui moisi. Et lui dit, voici qui est stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il y avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable et ne lui est pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Soulignez là-bas, très important. Continue, s'il vous plaît. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous.
et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui n'est pas. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vient encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Ça, c'est la deuxième visitation. Mm-hmm. Le monsieur n'était pas toujours là. Papa, Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce que toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant ? Et qui aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme obtiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur fort. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point ce que fit un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ? Afin que nous te rendions gloire. » Quand la parole s'accomplira, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau de l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir. » Car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Et l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous demandons ton assistance à travers une onction particulière du Saint-Esprit. Amen. Que nous parlons de ta part, et que ton peuple soit béni et édifié. Amen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Ici, c'est une longue histoire d'une famille. Un monsieur qu'on appelle Manoah ou Manoach. Elle avait sa femme. Mais sa femme avait un problème. Sa femme était stérile. Donc la stérilité, c'était pour sa femme. Alors un jour, Dieu les a fait grâce et Dieu les a visités à travers l'ange de Dieu. Ils étaient au champ. Là, on explique que la femme était de son côté, de là-bas, de l'autre côté, le monsieur, je ne sais même pas où. Et l'ange, là, apparaît.
Et puis Angelou Abimeli. L'ange est arrivé. Angelou à quoi? L'ange de l'Éternel commençait à causer avec la dame. Angelou à quoi la bandit Kosololana, moi si Angou. Très souvent dans la Bible, quand vous voyez là où on a écrit l'ange de l'Éternel, c'est normalement c'est Dieu lui-même qui apparaît. Amen. Quand nous sommes au moment la Kabisika va commis Angelou en Zambe, Ezali Koloba été, Ezali Koloemo Komutani. Vous verrez cet ange là, l'ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans la Bible. Comment la Bisika Angou Bisika va Ezali Kobenga Angelou en Kolo. Vous voyez, très souvent, cet ange prend des décisions. Il ordonne parfois. Alors, on passe, ce n'est pas notre enseignement. L'ange de l'Éternel à Paris. Mais la femme n'avait pas très bien saisi qui était-il. Elle dit, c'est un monsieur, puisque l'ange de l'Éternel, l'ange dont maman, c'est un esprit. C'est pas un homme. Moi si pensa Azalaki donc Azalaki na moi comme tout na Angelou ya Angelou ya encore est-ce qu'Azali mutu donc Azalaki pensa na moi ba question mi na mutu. Normalement un esprit n'a pas de genre féminin ou masculin, un homme ou une femme, non. C'est un esprit, c'est un esprit. Molimo pensa Azalaka pensa na genre te toi bate que ce qui est molimo moi si toi ya mobali mais Azali molimo. Mais selon la pédagogie de Dieu, selon le bon vouloir de Dieu, il a voulu que cet ange apparaisse devant la femme de Manoa en tant qu'homme. Mais le lingue pensa un homme monsieur de gens masculins. Et qui pensa na moi que là c'est encore Zambe aliga qui était Angelou yango abimela et lokola molimo mais molimo oyo ya sexe ya mobali. Alors il est à Paris. Abimelié. Commençant à causer avec elle. A babandi kosolo la. À cause de sa situation de stérilité. Parce qu'en fait la besoin de baser kosolo la likambo et tali kosolo. Là je lui dis que tu vas enfanter. Mais cet enfant aura, c'est un enfant très important. C'est un enfant qui aura une mission. Quelle était la mission? Le problème qui était là, Israël était sous domination des Philistins. Je peux lire dans le premier verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc, ils étaient sous domination des Philistins pendant 40 ans. Mais Dieu n'a pas voulu que ça reste éternellement. Il a voulu qu'un jour cela se termine. Que ce châtiment, là ne reste pas éternel. C'est à cause de leurs péchés qu'ils sont arrivés à vivre cette situation. Alors, Dieu a voulu qu'ils soient délivrés. Pour qu'il soit délivré, il a fallu susciter un leader. Un leader qui pourra les aider à être délivrés. Alors, dans les plans de Dieu, c'était un enfant qui devait naître qu'on appellera Samson. Dans son élection, l'élection de la grâce, il est allé prendre la femme de Manoa. Son mari était Danit. De la tribu de Dan. Les Danites sont des descendants de la tribu de Dan. Parmi les 12 tribus d'Israël. Oui. Là-bas, alors, Dieu est à Paris. À cette femme. Dieu s'est révélé à cette femme à travers l'ange de Dieu. Si vous regardez très bien, quand tu l'as rencontré ce monsieur, il lui a dit des choses. Elle est allée raconter à son mari. J'ai croisé un homme. Pour elle, c'était un homme d'abord. Mais cet homme-là a un aspect d'un ange, un homme formidable. Elle avait discerné que dans cet homme, ce n'est pas seulement un homme, mais en lui, il y a quelque chose de différent des hommes. C'est pourquoi je vous demande aussi, il faut avoir des discernements quand vous croisez des hommes. Certains hommes dans la
si la terre peut être un canal de bénédiction de votre vie. Certaines personnes peuvent être l'ouverture de votre développement, de votre croissance. Comme aussi certains hommes peuvent être la porte de la destruction de ta vie. Il faut avoir un sens de discernement de comprendre quand vous croisez quelqu'un. Elle avait compris que lui, non, cet homme, ce n'est pas un simple homme. Comme l'autre femme là, l'autre là qui n'accouchait pas aussi, qui avait croisé la Élie. Elle avait dit, cet homme c'était un saint homme de Dieu. Alors, comment faire le passé comme ça? Nous allons faire une chambre organisée quelque part, en fait, quand il passe la chambre, qu'elle prenne la place ici. Et à cause de cela, cette dame a fini par avoir un enfant, elle aussi qui était stérile. Le bienfait que vous faites, quand vous le faites aux hommes, sachez que vous le faites aussi à celui qui a créé ces hommes. C'est pourquoi je souhaiterais que vous fassiez plus du bien que du mal. Car le mal paye très mal. Le bien, quel que soit le temps, paye le bien. Alors, entrons dans le contexte de notre sujet. Cette dame est allée expliquer à son mari. C'est quelque chose aussi de risqué, quelque chose. Elle se retrouve dans les champs. Et monsieur lui apparaît. Mais on pouvait dire aussi, non, c'est pas qui a dit que c'était un ange. Et puis vous étiez seul là-bas. Vous avez un temps actuel ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui c'est pourquoi on a un homme qui la voiture. Alléluia. Si je suis seul, en tout cas, ma soeur, s'il vous plaît, prenez votre bus, rentrez, s'il vous plaît, à la maison. C'est pas parce que je suis méchant envers vous, non. Mais la dame a eu le courage d'expliquer à son mari. Que je croisais un homme. Mais c'est un homme qui a l'apparence d'un ange. Mais c'est un homme extraordinaire. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Le mari aussi, lui n'a pas dit, mais. Vous comprenez? Comment tu peux croiser quelqu'un dans la forêt comme ça? Ces derniers temps, toi aussi, tes réponses, je trouve que. Je t'avais dit de préparer, je ne sais pas. Mais pour nous, tu m'as préparé autre chose. Non, le monsieur a eu le message à cœur. Elle a cru aussi à sa femme. Quand il y a le mariage, il y a la complicité entre l'homme et la femme. Chacun doit avoir confiance à sa femme et à son mari. Alors le mari a dit, mais si c'est comme ça, moi aussi je veux voir ce monsieur-là. Ça c'est un homme. Mais je suis responsable de ma famille. Je parle des choses comme ça. Et moi, je ne les vois pas. Je veux les voir aussi. Mais pour que Manoah le voie, la Bible dit qu'il priait à l'Éternel. Il n'était pas parti se cacher derrière pour attendre, pour qu'il viendra encore. C'était à quelle heure? À 15h. Je me cache. Donc, j'attends. Et il pourrait qu'il revienne encore. Que je le vois. Je vais le surprendre. Comment elle a causé avec mon mari? Mais la Bible dit qu'il pria l'Éternel. Il pria à Dieu.
Quand il a prié à Dieu, la Bible dit que Dieu exauça sa prière. Voilà comment les choses commencent à changer. Lui qui n'était pas dans les plans de Dieu, pour que cet ange puisse le rencontrer. Mais si vous comprenez les choses, c'est la femme qui était visée. C'est la femme qui devait recevoir le message. C'est la femme qui devait avoir la visitation divine. Mais quand le monsieur était informé, il s'est tourné vers Dieu. La Bible dit qu'il pria Dieu. Il demanda à Dieu: Seigneur, si tu as établi le mariage et que la tête devient une seule chair. Il n'avait pas dit ça. Ah, mais j'interprète ce que la Bible dit. Vous deviendrez une seule chair. Mais lui n'avait pas dit ça. On n'a pas écrit ce qu'il avait dit. Mais moi je vous explique pour que vous compreniez. Il dit: si nous sommes une seule chair, tu t'es révélé à elle. Mais comment pas moi? Fais grâce afin que je puisse te voir aussi. Que je puisse te croiser. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai, la Bible dit que Dieu est le maître de temps des circonstances. Mais toi aussi, dans ta prière, tu peux changer des circonstances. Tu peux changer aussi des temps. Tu peux changer l'histoire. Tu peux changer des choses. Puisque Dieu est ton Père. La Bible dit qu'il tourna vers Dieu. Il pria Dieu. On nous a tout expliqué que la prière était une communication, un contact, un dialogue avec Dieu. Échanger avec Dieu. Oui, Seigneur, j'ai un petit problème. Ma femme m'a croisé quelqu'un. Mais moi aussi, je vais le voir. Si tu permets, permets que je le voie aussi. Bien aimé, la Bible dit ceci: rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. C'est pourquoi, quand vous demandez quelque chose en prière, la Bible dit ceci: si vous ne doutez point, vous verrez cette chose s'accomplir. Dieu n'avait pas répondu à Manoah pour lui dire: je prie un Dieu qui écoute, qui a créé les oreilles, qui entend. C'est normal, il m'a entendu. J'ose croire que je verrai encore ce monsieur. La Bible dit que sa prière était exaucée. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il a été un homme extraordinaire. C'était un homme qui a eu le courage. C'était un homme qui a la volonté. C'était un homme qui a eu la foi. Il a cru que cet ange est arrivé. Ma femme ne m'a pas trompé. Puisque depuis nos ancêtres, je pense que j'ai entendu des visitations de Dieu. J'ai entendu que les anges nous visitent. Si tel est le cas, Dieu me permet que moi aussi, je puisse le voir. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, je veux dire à quelqu'un: les Samson qui doit délivrer Israël, elle était déjà en cours de route dans la parole de Dieu pour rentrer dans le ventre de la femme de Manoah. Il a fallu seulement la foi. Pendant 40 ans, ces gens-là ont été des esclaves des Philistins. Il a fallu que la délivrance arrive. Je veux dire à quelqu'un: quelle que soit la durée de toute ta situation, la délivrance viendra. Dieu, c'est un Dieu qui a établi un plan de bonheur et de paix pour notre vie. Dieu n'a pas établi un plan pour que tu souffres à perpétuité. Et il a prié. Quand il a prié Dieu, Dieu exauça sa prière. Il est revenu de nouveau. Écoutez, je vais dire à quelqu'un:
La prière de Manoah a fait revenir l'ange de Dieu. L'ange de Dieu qui était déjà parti. Disons ceci, sa mission était déjà finie. Puisqu'il a donné le message, c'était fini. Il est parti. Pourquoi cet ange de Dieu est revenu? Pourquoi Dieu est revenu? C'est à cause de la prière d'un homme. C'est à cause de la supplication d'un homme. À cause des actions de grâce des noms, à cause de la prière des noms, l'homme qui a levé sa foi vers Dieu, cela a changé le programme. Dieu est revenu encore dans le même endroit pour confirmer le message. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu peux faire revenir la situation qui était partie. La situation que tu as perdue, tu es capable de la faire revenir. Si tu as la foi et que tu crois dans ta prière, tu es capable de restaurer. Merci que Dieu te bénisse. Car Dieu restaure. Alléluia. Si ce n'est pas bien, c'est bien, non? Amen. Je vais avec la voiture avec le carburant. On n'achète pas le carburant par la langue. On achète le carburant avec l'argent. Et Dieu te bénisse, je suis très content. Amen. Et que je continue encore. La Bible dit ceci. Il pria Dieu. Tant qu'il a prié Dieu, l'ange de l'Éternel est revenu. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que la gloire revienne à Dieu. L'ange est revenu. Tu peux faire revenir des choses que tu avais perdues. Tu as perdu parfois le temps. Le temps est passé, ne reviendra pas. Mais les choses que tu as perdues dans ce temps-là, tu peux les récupérer. Tu peux les faire revenir encore. Manoah n'avait pas perdu espoir. Il est entré dans la prière. C'est pourquoi je vous demande, je vous recommande d'être les hommes et les femmes de prière. Quand vous serez les hommes et les femmes de prière, vous ferez les choses changer dans votre vie. Écoutez, nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires. Je vous ai dit l'autre fois, même quand nous sortons de la maison, en sortant de la maison, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le parking là où je vais. Très souvent, quand j'arrive directement, quelqu'un sort. Je viens directement, vous ne savez pas que vous êtes des princes et des princesses. Que Dieu vous chérit. Vous avez été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Vous êtes des êtres chéris de Dieu. Un ange supérieur avait péché. On appelle Lucifer. Il a été rejeté. Dieu ne l'a jamais repris. Mais toi, un homme, tu avais péché. Dieu est descendu pour aller te chercher. Dieu n'était pas descendu pour aller chercher Satan. Il l'a rejeté. Fini, il est condamné. Mais toi, Dieu est descendu pour te chercher. Et quand un homme avait reconnu qu'il était nu, Dieu n'a pas voulu qu'il soit couvert par la honte. Puisqu'il avait maintenant honte. Dieu a tué même un animal pour couvrir l'homme. Vous ne réalisez pas ce que vous êtes parfois. C'est pourquoi Jacques reprend dans Jacques chapitre 5 verset 17 ce que vous avez cité. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria l'Éternel qu'il n'y ait point de pluie. Et la pluie a cessé pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de la même nature que toi. Donc la Bible fait nous dire ceci. Ce n'est pas ta nature humaine qui va empêcher que Dieu agisse envers toi. Dieu ne connaît que tu es un homme faible, une femme faible. Dieu reconnaît cela. Mais il faut que tu aies le courage. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la détermination. Dans ta prière,
que tu t'adresses à Dieu afin que Dieu réalise ce que tu penses pour sa gloire aussi, mais pour ton bien. Dieu reçoit la gloire. Mais le bien, c'est pour le bonheur, c'est pour toi. Dieu n'a pas besoin d'argent. Si vous priez pour avoir, je ne sais pas, la maison ou l'argent, Dieu est esprit, il n'a pas besoin de la maison. Dieu fait que seulement pour tirer la gloire quand l'accomplissement sera là. Mais le bien, le bonheur, c'est pour toi. C'est pourquoi Manoah pria. Il pria Dieu. Quand il a prié Dieu, la Bible nous montre que l'ange est revenu. Voilà comment Manoah est entré dans la révélation de Dieu. Vous comprenez? La révélation, la visitation était pour cette femme. Mais à cause de la prière, il est entré dans la révélation de la femme. Il est entré là-bas. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Vous pouvez entrer dans des endroits qui n'étaient pas prévus parfois pour vous. Vous pouvez changer des choses dans vos prières. Alléluia. Manoah s'est entré dans cette révélation. Manoah ramena encore Dieu sur terre. Et Manoah a écouté de ses propres oreilles ce que Dieu disait. Manoah a vu de ses propres yeux cet homme-là. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Siméon se retrouve devant le temple. Il croise le bébé Jésus. Quand il a vu Jésus, il dit, messieurs, mon fils le Seigneur. Donc il a tout ce temps, sa prière est qu'il ne meure pas avant qu'il puisse voir qui. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a retenu aussi. Jusqu'à ce qu'il a vu. Amen. Il a vu le Seigneur. Amen. Maintenant, il change de prière. Merci. Il dit, maintenant, Seigneur, tu peux me prendre. Oh, yeah. Mais je croyais que quelqu'un pouvait comprendre. Que tu peux freiner des choses. Je croyais que quelqu'un pouvait comprendre. Il peut freiner des choses. Tu peux arrêter le temps. Josué arrêta le temps. Tu peux arrêter le temps dans ta prière pour la gloire de Dieu. Josué arrêta le temps. Il dit au soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Le temps a observé ce que Josué avait dit. Dans ta prière, si tu es déterminé, tu crois que tu pries un Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui est ton Père. Tu peux changer les choses. Que Dieu te bénisse encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, je vais faire les pleins. Ah. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire ceci, que vous pouvez arrêter le temps. Vous pouvez arrêter les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, votre prière, la Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes qui ont des paroles qui sont efficaces. Vous pouvez changer les choses. Si vous arrêtez, je ne partirai pas. Je ne veux pas mourir. Tu as promis que le Seigneur viendra. Oh, il faut que je voie d'abord le Seigneur. Avant que je parte. Partir comme ça, c'est que tu vois aussi le bonheur de ta vie. Alléluia. Prie pour que tu vives le bonheur de ta vie. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Prie le Seigneur. Que tu vives le bonheur de ta vie. Tu n'es pas venu accompagner les autres. À travers la prière, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux faire
se passe. Et ce Dieu-là a fait que toi, tu deviennes le temple de son esprit. Et que le Fils de Dieu habite en toi. Oh, bien-aimé de la Seigneur. La Bible dit ceci. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Mais toi, tu ne pries pas beaucoup. C'est pourquoi les démons ne de quoi de ton sois une femme de prière. Tu vas commencer à briser. De briser les chaînes. Tu forgeras les chemins. Tu vas atteindre ta destinée. Car Dieu ne t'a pas prié pour que tu sois la queue. Mais Dieu t'a prié pour que tu sois la tête. La meilleure pièce qui existe sur la tête, c'est toi. Alléluia. Manoah prie à Dieu. Il changeait les circonstances. Les choses ont changé. Il a revu le monsieur. Ah bon, c'est toi? C'est toi qui as parlé avec ma femme? Oui, c'est moi. Mais dis-moi maintenant. Moi, les hommes, comme ils sont courageux. Après tout, j'ai causé avec quelqu'un. On m'a dit, mais toi, tu es un imbécile. Son nom, c'est quoi? Dis-moi, ton nom, c'est comment? Oh, quel privilège! Il commençait à poser Dieu les questions. À cause de la prière, il a ramené encore. Et il commençait à poser Dieu les questions. Mais maintenant, ne parle pas encore. Madame, faut préparer à manger. Alléluia! Prépare à manger. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu lui a dit ce n'est pas le ventre, mais c'est une offrande, c'est une holocauste. C'est toujours dans l'aspect de prière. Il fait la prière en sacrifiant quelque chose. Ce n'est pas la bouche. Quand je vais manger, ça va sortir. Mais ce que tu vas faire, on verra. Continuellement de prière. Il ne savait pas que ces prières étaient emmagasinées dans la banque de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de ses prières et de ses hommes. Il a eu grâce. Vous savez, ce monsieur n'était pas un juif. C'était un romain, donc un païen. Qui n'était même pas dans le plan de Dieu, dans le programme de Jésus. Mais il est entré là-bas, à cause de la prière. Il faisait continuellement. Et les hommes qui faisaient continuellement. Dieu a regardé. Un monsieur comme ça, quand même qu'il est romain, il est païen, italien. Il faut que je change cet italien. Alléluia. Qu'ils me connaissent. Qu'ils réalisent que j'ai un plan pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il envoie son fils unique. Et que quiconque croit en lui, se périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais vraiment beaucoup à vous dire, mais je veux que nous prions. Aujourd'hui, c'est un jour que nous avons changé le bord. Bouger les limites. Bouger les limites. Dans ta prière, il faut bouger les limites. Ceux qui ont dit des choses sur toi vont sentir aujourd'hui des choses qui bougent. Il y a des choses qui changent. Ceux qui se sont élevés contre toi, ils sentent que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est favorable à toi. Et que ta prière montera vers le Seigneur. Si tu as seulement la foi, je vous dis, tout ce que vous demandez en prière, si vous croyez que vous l'avez, vous le verrez. Mettons-nous debout, nous
que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu nous visite maintenant. Détruise les chaînes. Nous fais déborder les limites. Que nous allons au-delà de nos limites. Que chacun de nous puisse vivre sa destinée glorieuse. Alléluia. La destinée de Dieu en toi. Quand tu ne sois pas quelqu'un qui commence là, chaque année, pleure. Non, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour se réjouir. Tu dois entrer maintenant dans la période de réjouissance. Dans ta prière, que tu changes les choses et que les anges de Dieu descendent aussi qu'ils viennent nous visiter comme cela s'est passé avec Manoah et sa femme. La stérilité était tombée. Ils ont donné naissance à un enfant qu'on appelait Samson. Vous savez quelle était la signification du nom de Samson? Samson signifiait petit soleil. Samson signifiait soleil. Donc Samson était venu le soleil pour éclairer les ténèbres et l'esclavagisme des Philistins. Oh bien-aimé, est-ce qu'un Samson naît en toi? Afin que tu sois libéré devant les Philistins. Assez et assez. Nous t'avons beaucoup vécu cela. Maintenant, c'est temps de la faire. Nous allons nous lever maintenant. Nous passons à l'adoration et nous prierons le Seigneur. Je crois fermement que le Saint-Esprit viendra nous visiter. Je crois fermement qu'une onction particulière nous visitera. Je crois fermement que Dieu est vivant. Je crois fermement que le Seigneur agit. Jésus avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Maintenant c'est le temps de passer dans l'action surnaturelle, je dis, soyez concentrés, commencez à prier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Dieu de toute gloire, Dieu de toute miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom. Thank you.
reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Thank you.
Je suis l'éternel. Qui me cherche? Parlez-nous cet après-midi.
quoi, ministère Saint-Esprit. Touche maintenant ton peuple. Nous voulons avoir la puissance.
Amen.
Amen.